Bonjour, je m'appelle Guillaume Cros, je suis chiropracteur et aujourd'hui je suis en compagnie de Shannon qui est coach sportif et professeur de yoga. Et aujourd'hui on va se concentrer sur un mouvement qui est fait fréquemment au sport, à savoir l'étraction. On va décomposer ce mouvement et on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à le faire correctement aujourd'hui. Vous êtes prêts? Allez, on est parti! Alors, aujourd'hui, à défaut de pouvoir faire des tractions dans le cabinet, hein, ce qu'on va faire, c'est utiliser deux mouvements, voire trois mouvements de réhabilitation qui sont très très simples et qui vont être ciblés au niveau de l'épaule. Ça va permettre de dégrossir l'ensemble des amplitudes de mouvement qu'on retrouve au niveau de l'épaule et ça va permettre de mettre en évidence ou pas un dysfonctionnement articulaire ou musculaire au niveau de son épaule. Ce qui pourrait déjà nous aiguiller un petit peu sur une idée de traitement ou des choses à corriger plus tard. Du coup, on va commencer par ce qu'on appelle la plaie sup. Du coup, je vais te demander, s'il te plaît, avec ta main, d'essayer de lever ta main comme ceci et tu vas essayer de toucher entre tes omoplates. Voilà. Alors là, typiquement, elle a essayé de tricher, elle a essayé de gratter un petit peu de terrain avec sa main. Du coup, on va le refaire tout doucement. Vas-y, refais-le. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok, du coup, tu t'arrêtes ici, tu peux relâcher ta main. Bien sûr, on fait toujours comparativement et bilatéralement. Du coup, je te demandais de le faire la même chose avec l'autre main, s'il te plaît. Ok, et tu peux relâcher. Bon, déjà, on se rend compte que le mouvement est déjà beaucoup plus fluide et qu'au passage, elle descend beaucoup plus bas. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle la plaie inf. Du coup, cette fois-ci, avec ta main gauche, tu vas essayer de passer par le bas et de monter le plus haut possible. Super. Ok, et tu peux redescendre. Du coup, elle va jusque-là. Le mouvement n'est pas très très fluide, on voit que c'est quand même assez saccadé. Du coup, je te demandais de faire la même chose avec l'épaule droite, s'il te plaît. Ok, et tu peux redescendre. Donc là, on descend beaucoup moins. Ok, et en plus de ça, alors on voit qu'effectivement l'omoplate droite a tendance un petit peu à se décoller, ce qui peut être bien, et du coup on se rend compte que côté gauche ça se décollait pas du tout. D'accord? Donc il va y avoir différentes petites choses à corriger. Dernier mouvement important, ça va être ce qu'on appelle le rythme scapulo-huméral. Du coup, je vais te demander de lever tes bras le plus possible, voilà, tranquillement. Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Ok, et tu redescends tout doucement. Tu redescends, tu redescends, tu redescends. Tu redescends, tu redescends, tu redescends. Ok. Alors là, ce qui était super intéressant, c'est que dans la phase de redescente, on a effectivement son omoplate, sa scapula qui se décollait complètement. Et pendant quasiment 2-3 secondes, son omoplate n'arrivait pas à se recoller contre son grille thoracique. Ok? On va creuser tout à l'heure un petit peu pour savoir pourquoi est-ce que ça arrive. Sinon, bah, bien évidemment, le mouvement il n'était pas si fluide que ça. Donc si fluide, ça veut dire quoi? Ça veut dire potentiellement un problème de contrôle moteur. Quand je parle de contrôle moteur, bien évidemment, je ne parle pas d'handicap. Hein. Un contrôle moteur, c'est la capacité du muscle à se contracter de manière fluide et pas trop fort, pas trop faiblement. Ok? Du coup, tout à l'heure, on avait vu les mouvements lorsque la personne était debout, lorsque son corps devait supporter son propre poids, ou sa propre masse pour les puristes. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est allonger du coup la patiente sur le ventre. Autrement dit, quand on va refaire les mouvements, le corps n'aura pas à supporter sa propre masse. Du coup, on va voir que si le mouvement est plus correct, a priori, c'est un problème musculaire et pas articulaire. D'accord? Du coup, on va refaire le mouvement. Je vais te demander, s'il te plaît, avec cette main-là, d'essayer de toucher par le haut le point juste ici. Voilà, essaie de descendre le plus possible. Ok. Et tu peux relâcher. Donc là, c'est pareil, on retrouve un mouvement qui est saccadé, qui n'est pas fluide. Donc a priori, c'est pas forcément un problème de contrôle moteur. C'est, je pense, un problème de contrôle moteur et un problème articulaire. Je te demandais de faire la même chose de ce côté-là, s'il te plaît. Voilà, ok, tu peux relâcher. Bon, pareil, le mouvement n'est pas très très fluide. Bon, après, en vérité, elle essaie juste de contourner sa queue de cheval, mais on se rend quand même compte que le mouvement n'est pas fluide. Maintenant, je te demandais, s'il te plaît, avec cette main-là, d'essayer de faire la plaie inf, donc en passant par le bas. Ok, et tu peux relâcher tout doucement. Là, le mouvement est un peu plus fluide. Ok, il n'est pas parfait, mais il est un peu plus fluide. Donc, on sait que de toute façon, il va y avoir un peu de musculaire. La même chose avec ce bras-là, s'il te plaît. Ok, et tu peux relâcher. Voilà. Donc là, on retrouve exactement le même mouvement saccadé au niveau de l'omoplate, au niveau de la scapula. Hein. Ce mouvement va venir se décoller et se replaquer très rapidement. D'accord? Donc là, on va avoir pas mal de travail, je pense, sur cette épaule-là, l'épaule gauche, l'épaule droite. Ok. Maintenant, on va décomposer le mouvement. Un appelé sup, c'est quoi? Un appelé sup, c'est une rotation externe au niveau de l'articulation glino-médiale au niveau de l'épaule. Ce mouvement-là, c'est une flexion de la glino-médiale.
On va avoir une flexion du coude. Et la dernière amplitude de mouvement qu'on oublie souvent, c'est l'extension thoracique, donc l'extension au niveau du dos. Donc on va venir évaluer tout ça. Déjà, on va venir évaluer la rotation externe. Je vais mettre ton bras comme ceci. Ta mission, ça va être d'essayer de partir le plus loin possible dans ce sens-là. Vas-y. Ok, et tu peux relâcher. Donc on espère à peu près avoir 90 degrés. Là, on ne les a pas du tout. D'accord? Donc clairement, le mouvement n'est pas correct. Maintenant, tu vas te relâcher le plus possible et c'est moi qui vais faire le mouvement. Ok. Là, on est capable d'avoir le mouvement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque ce n'est pas elle qui le fait de manière active, bah, le mouvement devient correct et se normalise. Ça veut dire que c'est un problème musculaire, ok, de contrôle moteur. Maintenant, ce qu'on va venir tester, c'est la flexion. Donc, pour tester la flexion, je vais mettre ta main dans cette position, s'il te plaît. Et toi, ta mission, ça va être de partir le plus loin possible, comme ceci. Ok? Vas-y, je t'en prie. Ok. Bon, le mouvement est à peu près fluide, il n'y a pas une grande amplitude, mais il est fluide. Je te demandais de faire la même chose avec l'autre bras, s'il te plaît. Vas-y. Ok, pareil, mouvement fluide. Presque fluide, d'accord? En tout cas, il n'y a rien de particulier qui se dégage. On va tester la rotation externe au niveau de l'autre côté. Je vais te demander, s'il te plaît, de partir dans ce sens-là le plus possible. Vas-y. Ok. Et tu peux relâcher. Donc là, cette fois-ci, on se rend compte que en actif, le mouvement est correct. Ok? Alors que la patiente est en décharge. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un problème, pareil, de contrôle moteur. Ok. Bon, du coup, entre-temps, on a aussi vérifié la plaie inf. Donc forcément, la plaie inf, c'est quoi? C'est la rotation interne, cette fois-ci. Pareil, flexion de coude. Il y a aussi une extension thoracique. Et cette fois-ci, au lieu d'avoir de la flexion de la glène humérale, on va avoir de l'extension de la glène humérale. Donc on a vérifié tout ça. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est une palpation de la colonne vertébrale. D'accord? En chiropraxie, quel que soit le motif de consultation, on ira toujours vérifier la colonne vertébrale. Au niveau des tests, appelé SUP, appelé INF, rythme scapulo-huméral, on remarque quoi? On remarque globalement, il y a trop de mobilité au niveau de ces omoplates. D'accord? Les omoplates ont énormément de mal à se plaquer sur le gris thoracique. Et la plupart du temps, c'est dû à une faiblesse, notamment des muscles qui permettent de plaquer les omoplates sur le gris thoracique. Par exemple, le dentelé antérieur ou le serratus antérieur. Okay? Donc ça, il y aura déjà des petits exercices que je pourrais lui donner pour les renforcer. Parce que bien évidemment, quand on fait une traction, on a besoin de verrouiller ses épaules en arrière, en fait de faire ce mouvement-là. Et ce mouvement-là, ça revient à faire quoi? Ça revient à faire un mouvement antérieur vers postérieur des épaules, et du coup de venir verrouiller les omoplates. Et pour faire ce mouvement-là, on a besoin d'avoir des serratus qui sont puissants, et aussi d'avoir une bonne mobilité au niveau de l'épaule. Donc ça, c'est deux paramètres qu'on ira corriger tout à l'heure. Au niveau de tout ce qui est rotation interne et externe, bon, l'articulation en elle-même bouge bien, d'accord? Par contre, c'est un problème de contrôle moteur. Pour rappel, hein, l'épaule, c'est comme l'articulation la plus mobile du corps, mais par contre, c'est la plus instable. Ce qui va assurer la stabilité en fait, d'une épaule, contrairement aux autres articulations, ce n'est pas principalement les ligaments, ça va plus être les muscles, ce qu'on appelle la coiffe des rotateurs. Donc il y aura du supraépineux, de l'infraépineux, du deltoïde. Il y aura pas mal de petits muscles qu'on ira renforcer à la fin de la consultation. Ok, on est parti pour la palpation. Du coup, hein, comme à chaque consultation, vous commencez à connaître, je vais venir faire ce qu'on appelle une palpation articulaire. Donc, je vais regarder l'ensemble de la colonne vertébrale. Donc l'objectif, ça va être de reproduire une douleur. Donc si tu as la moindre douleur, t'hésite pas à me le dire. Au hasard, si je viens appuyer ici, est-ce que c'est sensible? Ok. Est-ce que c'est plus sensible quand je viens faire ce mouvement-là ou ce mouvement-là? De ce côté, carrément. On est d'accord. Du coup, on va regarder. Alors jusque-là, ça va. Est-ce que ici, c'est sensible? Oui. Ok. Est-ce que ici, c'est sensible? Oui. Ok. En sens, sans faute. Est-ce que ici c'est sensible? Oui. Ok. Mais elle a pas mal hein, sur tout le dos. Hein. Par exemple, si je prends ce point-là, c'est pas douloureux. Voilà. Après, du coup, on ira voir le coup plus tard. Mais clairement, je pense qu'il y a un problème de charnière à ce niveau-là. Au niveau des côtes, sensible ici? Oui. Ok. Peut-être un petit peu. Sensible ici? Oui, ça fait quelque chose. Ouais. Ok, bon. Il y a pas mal de petits blocages. Dans l'ensemble, son dos bouge bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que hors caméra, je lui ai fait faire des mouvements type se pencher en avant le plus possible, essayer de toucher le sol avec ses doigts. Bon, c'est une professeure de yoga, donc on entend vous dire que c'était très simple. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le dos, en fait, c'est plein de maillons qui bossent les uns avec les autres. C'est comme un travail de groupe. C'est pas parce qu'elle est capable de toucher le sol avec ses coudes ou avec ses mains que pour autant son dos va fonctionner parfaitement.
Là, ce que je vais venir faire, du coup, j'ai isolé chacune des articulations. J'ai vu qu'il y avait quelques articulations qui ne bougent pas parfaitement. Donc, on redonnera de la mobilité à ces articulations-là plus tard. Donc, il y a notamment une articulation lombaire, donc entre la L5 et S1. On a une petite articulation qui est ici, une qui est ici. Bon, après, au passage, hein, au niveau de le soutien-gorge, c'est chez 95% des femmes. Quand on se rend compte qu'un simple masque chirurgical peut entraîner des problèmes au niveau de la mâchoire, alors vous doutez bien que sur un sous-vêtement pour le dos, c'est encore pire. Pareil ici et ici. Et après, on ira voir le cou. Ok. Du coup, maintenant, on va venir corriger les articulations qui sont restreintes, à savoir celle-ci. Pour ce faire, je vais te demander, s'il te plaît, quand tu t'en sentiras prête, d'inspirer en grand et de souffler profondément. Et tu souffles. Ok, super. Ça va? Juste ici. Je t'en prie, inspire en grand. Et tu souffles. Parfait. Et enfin la dernière juste ici. Vas-y, inspire en grand. Et tu souffles, tu souffles, tu souffles, tu souffles. Ok, super. On va vérifier la petite côte qui était verrouillée de ce côté-là, qui est toujours verrouillée. Du coup, on va venir la corriger. Hop, inspire une dernière fois en grand. Et tu souffles, tu souffles, tu souffles, tu souffles. Voilà, super. Okay, là, c'est déjà beaucoup plus mobile. Et ça, c'est bon. Ok. Maintenant, on va venir corriger l'articulation lombaire. Je vais te demander si elle te relâche le plus possible. Pareil, on se rend compte qu'elle est très très mobile au niveau des hanches notamment, ce qui peut rendre en fait l'ajustement assez compliqué à faire. Mais l'articulation qui était juste ici était particulièrement verrouillée. Et maintenant, on a du mouvement. Parfait. On va maintenant se concentrer sur les cervicales. Alors, déplie bien des jambes. Super. Du coup, on va venir faire une palpation au niveau cervical. Donc, hors caméra, j'ai regardé bien sûr les amplitudes de mouvement. Donc flexion, extension, les rotations, inflexion, les protractions, rétractions. On avait quelques limitations. Alors, comme attendu, on retrouve une limitation au niveau de sa charnière cervico-thoracique à droite. À gauche, le mouvement est relativement fluide. On retrouve quand même de fortes tensions musculaires en regard des trapèzes supérieurs. Et en particulier du côté droit. Du coup. Au-dessus, il n'y a rien à signaler, si ce n'est éventuellement de fortes tensions musculaires au niveau des sous-occipitaux. Alors pour ceux qui regardent la plupart de mes vidéos, hein, vous vous rendez compte que c'est souvent, hein, les mêmes zones de tension. Ben, ce n'est pas qu'une impression en fait. Après, c'est aussi symptomatique de la civilisation dans laquelle on est. On a toujours les mêmes postures, les mêmes habitudes. Donc fatalement, ça crée le même type de problème. Du coup, je vais venir corriger l'articulation qui est juste ici. C'est le même principe que pour le dos, la seule différence, c'est que si tu entends un bruit de craquement, tu vas l'entendre un peu plus parce que tu as des oreilles à côté. Mais c'est tout. Ok. Quand tu es prête, tu vas inspirer en grand et souffler profondément. Ok. Allez, on pose. Ça va? Je l'ai entendu en effet. Voilà. Tu sens toujours tes orteils? Fantastique. Quoique. Ah. Coupe. L'ajustement n'est pas censé créer la moindre douleur, c'est pas de la force, c'est que de la vitesse. On peut se tromper en regardant les vidéos, mais c'est vraiment que de la vitesse. Et là, du coup, on retrouve effectivement une mobilité tout à fait fonctionnelle et normale. Ok. Je le sens. En fait, en faisant une manipulation, j'ai envoyé une information à son système nerveux, donc hop, ça remonte jusqu'à son cerveau. J'amène l'articulation dans une position où on n'avait plus l'habitude d'aller, une position qui est censée être normale. Et en fait, son cerveau va se dire, ah bah tiens, l'articulation peut bouger dans ce sens-là. Ok, bon bah si c'est possible, du coup je vais relâcher les muscles autour. Du coup, instantanément, les muscles vont se relâcher et ça va redonner de la mobilité au niveau de l'articulation. On a l'impression que c'est un peu de la magie tellement c'est rapide, mais en vérité, c'est juste le système nerveux qui est excessivement rapide en fait.
Alors pendant que je vous explique ça, la patiente n'est pas en train de prendre son pied parce que je suis en train d'appuyer sur les muscles occipitaux qui sont juste ici et qui sont particulièrement tendus. Donc les muscles occipitaux, hein, c'est des muscles qu'on associe classiquement au stress. Alors le stress, ça veut tout et rien dire, mais j'ai remarqué quand même que chez des patients qui étaient un petit peu stressés, on trouvait pas mal de tension. Donc j'exerce une petite pression sur ces muscles-là. Et au bout d'un moment, ils vont se relâcher tout doucement. Ok. Là, ça commence à se relâcher. Encore un tout petit peu. C'est impressionnant, je le sens aussi. Super, on y est presque. Maintenant, ton sourire va se transformer en grimace. Je vais venir détendre ton trapèze supérieur. Tu vas pouvoir sentir une petite douleur qui peut partir dans l'épaule, qui peut remonter dans la tête, mais ce sera que passager et ça va très très vite s'estomper. Hops, et on est parti. Nom d'un trapèze. Aidez-moi. Prends des grandes inspirations et souffle doucement. Super. Encore une petite fois. Ok. Ce qui est bien, c'est que chez les sportifs, ils ont un corps qui est beaucoup plus réactif. Donc typiquement, quand je détends un muscle, le muscle se relâche très 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 rapidement. Là, son trapèze est déjà quasiment relâché. Je souffre moins longtemps. Clairement. Faites du sport, c'est la morale de cette vidéo. Exactement. L'autre côté est moins tendu, on va quand même le détendre. Tac. Ça va durer encore moins longtemps. Et juste après, on va venir travailler sur la mobilité de l'épaule. En fait, des deux épaules. Alors, je vous montrerai qu'un seul côté, hein, parce que sinon, ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Mais je ferai exactement la même chose à droite qu'à gauche. Parce que finalement, en fait, que ce soit le côté droit ou le côté gauche, dans tous les cas, elle a un problème de mobilité et aussi un problème, en fait, de contrôle moteur. Donc, je travaillerai sur la mobilité des deux épaules. Après, forcément, les exercices que je lui donnerai des deux côtés, hein. Il n'y a jamais un côté où on a un contrôle moteur qui est trop puissant. Ça n'existe pas, en fait. Là, on est bon. On va corriger l'articulation scapulo-thoracique côté gauche. Pour ce faire, je te demande de mettre ta main derrière ton cou, comme ceci. Je vais venir prendre un contact au niveau du creux de l'aisselle. Tu vas bien relâcher ton épaule. Ok. Et on va partir doucement sur la table. Tu vas bien te relâcher. Voilà, super. Ça va? Très bien. Bon, après avoir fait un certain nombre de mobilisations au niveau de l'épaule, on va faire une mobilisation, on va aider l'omoplate à faire ce qu'on appelle une sonnette externe. D'accord? C'est ce décalage latéral de l'omoplate qu'on retrouve. C'est-à-dire que quand je viens lever mes bras, je fais une sonnette externe, donc les omoplates partent latéralement. Et quand je redescends mes bras, on a une sonnette interne. Et quand on fait un mouvement de traction, on a besoin finalement de faire une belle sonnette interne. Si le mouvement se fait de manière saccadée, forcément, on a vu tout à l'heure que ça pouvait être un problème musculaire. Donc si les muscles ne s'activent pas de la bonne manière, il n'y a pas un bon contrôle moteur, les muscles qui ne se contractent pas correctement, bah, ils vont devoir bosser plus que la normale. Donc elle va avoir l'impression d'être faible, alors qu'en vérité, elle a la force musculaire brute, mais il va y avoir un défaut d'activation des muscles. Du coup, ce qu'on va venir faire, c'est redonner de la mobilité au niveau de l'omoplate, pas pour le décoller, parce qu'on a vu qu'il se décollait très très bien. Par contre, ce qu'on va faire, c'est l'aider à partir latéralement. Et en plus de ça, on va aider l'épaule à se recentrer postérieurement, parce qu'on voit qu'elle a une posture avec les épaules quand même globalement vers l'avant. Donc, on va faire une petite mobilisation. Je vais faire, alors vous ne pouvez pas voir, mais je vais faire à la fois une sonnette latérale et en même temps un recentrage postérieur de la tête humérale, en fait la tête de l'os humérus qui est ici. Voilà, et je vais faire plusieurs petites mobilisations. En fait, ça va aider son corps à imprimer le mouvement. C'est comme si je rééduquais en fait des articulations à fonctionner. Ça a des avantages, hein, comme l'ajustement à ses propres avantages, la mobilisation fonctionne aussi très très bien.
commence à se relâcher et à se déverrouiller. Et c'est ce qu'on recherche. En fait, dans un mouvement ou une articulation, on va se concentrer sur ce qu'on appelle la sensation terminale élastique. Ce qu'on veut, c'est une certaine élasticité vers la fin d'amplitude, ici. Voilà. Et là, on commence à la voir. Ok, on va faire notre côté pour pas qu'il y ait de genoux. Oups. Et on est parti. C'est pas trop désagréable? Non, mais je suis assez impressionnée quand on passe de celle où il y a eu les manipulations à la seconde de voir la différence. Dernière. Super. Ok. Alors, on va passer à la partie exercice. Alors, il y a un exercice tout bête. Ça va être ce mouvement-là. Alors, je mets les deux mains contre un mur. L'objectif, hein, c'est de garder bien les coudes tendus. On ne va pas tricher en faisant une flexion au niveau des coudes. Et on va faire ce mouvement-là. D'accord? L'objectif, c'est quoi? L'objectif, ça va être de faire ce qu'on appelle un recentrage postérieur. C'est-à-dire qu'en faisant ce mouvement-là, on fait partir la tête humérale postérieurement. Ok? Donc on travaille sur la mobilité et on travaille également sur la stabilité. Parce que du coup, dans ça, on va venir travailler sur les dentelés antérieurs ou les serratus antérieurs. Et pour rappel, quand on fait une traction, on a besoin de verrouiller pour pouvoir partir effectivement dans la traction, parce qu'une belle traction, c'est lorsqu'on vient, c'est comme si on venait tirer un câble au niveau de notre sternum et on fait bien sortir le buste. Les tractions, on est comme ça, c'est pas des tractions fonctionnelles, d'accord? On fait vraiment de belles tractions comme ceci. Alors là, quand la patiente m'a parlé de traction, elle me parle de traction dans un cadre, on va dire type musculation, renforcement musculaire, on parle pas de traction type crossfit, parce que là du coup au crossfit c'est pas du tout les mêmes objectifs, hein. Au crossfit, l'un des objectifs simples, c'est finalement d'avoir la tête qui dépasse au-dessus de la barre. Là, moi, je parle plus dans un terme vraiment purement fonctionnel. Ça, c'est un premier exercice. Deuxième exercice, ça va être tout simplement de faire des rotations internes et externes. Pour rappel, hein, ce qui assure la stabilité de l'épaule, ce sont les muscles de la coiffe des rotateurs. Du coup, je vais pouvoir accrocher un élastique, par exemple, à une poignée de porte, et je vais venir faire des rotations internes. Je tire, je relâche. Je tire, je relâche. Je veille bien à ce que mon coude reste collé à mon buste. Ok? Pareil. Je peux faire par exemple avec l'autre bras et cette fois-ci, je vais faire des rotations externes. D'accord? Donc l'élastique est là. Rotation externe, pareil, en rotation externe, on est tenté de décoller le coude, on ne triche pas. On garde le coude collé. Et on fait des rotations externes. D'accord? Ça, c'est le mouvement le plus simple. Après, on peut aussi s'amuser à faire ce qu'on appelle de l'excentrique. C'est-à-dire que par exemple, l'élastique est là. Je m'aide avec ma main pour partir vers l'extérieur et donc étirer l'élastique. Et je vais ralentir la descente. D'accord? Ça, c'est un mouvement excentrique et l'objectif de l'excentrique, ça va être de renforcer le tendon, d'accord? Avoir de nouveau un apport en collagène, remodeler le tendon et renforcer. C'est pas forcément le même type d'exercice. Là, dans son cas, ça va vraiment être des renforcements concentriques. Merci d'avoir regardé la vidéo. L'objectif, hein, c'était d'améliorer ses tractions. On ne pouvait pas faire de traction aujourd'hui, donc la patiente me tiendrait au courant. En tout cas, en termes purement fonctionnels et biomécaniques, on a repéré une amélioration au niveau du coup du mouvement, on a restauré la capacité articulaire, notamment de sa glénohumérale et de son extension thoracique. Pour tout ce qui est rotation interne, externe, ça va passer principalement par du renforcement, donc en concentrique, en isométrique. Donc j'ai donné tous les exercices à la patiente qu'elle fera chez elle. J'ajouterai bien évidemment hein, que les exercices, ce qui va compter, c'est la régularité. Il faut le faire tous les jours. Si je ne peux pas le faire demain, après-demain, je ne vais pas le faire deux fois plus pour compenser. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le corps, c'est une structure qui est flemmarde, d'accord? Donc on veut la changer de ses habitudes. Il faut stimuler le corps régulièrement. Il faut vraiment le faire tous les jours. Et s'appliquer sur la qualité de l'exercice. Ça ne sert à rien de faire 4 ou 5 séries et finalement les faire d'une manière vraiment dégueu. Okay? Je préfère 2 séries parfaites que 4 séries moyennes. En général, quand on fait des tractions, ce que j'aime bien faire avec les sportifs, c'est déjà renforcer tous les muscles qui vont être utiles pour la traction. Travailler sur la mobilité des articulations qui vont être utiles pour la traction. Et une fois que tout est OK et que tous les feux sont verts, là, on peut commencer un travail de traction. Ce n'est pas son cas, d'accord? Donc aujourd'hui, normalement, on n'a pas lié au problème. Elle me tiendra au courant et bien évidemment, je la reverrai pour peaufiner le traitement et finalement, bah, corriger ce qui reste à corriger. OK?
Ça m'a fait très plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci à toi. Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un pouce bleu, tout ce genre de choses qui me font super plaisir, hein, c'est la récompense. Et puis écoutez, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir. Bye bye. Action. On va. Oui, j'ai des tics de langage. Nous allons donc présentement corriger l'articulation scapulo-thoracique. Du coup, côté. Nous allons donc corriger. Putain, la langue. Allez, ok. A few moments later. On va corriger du coup. Ah, putain!